on est prêt. Les 100 maillots au milieu. C'est parti. Allez, toujours deux touches. 6, c'est doublé s'il y a double. Ah, ouais, je commence, je le mets dans la merde tout seul. C'est deux, c'est deux. 1, 4, 5, 6. Hop, un double. T'es pas loin de la mort. Il attendait que j'apprenne lui. Ça vient. C'est bon. Ouais, ouais, ça vient. 7, 8, 9, 10, 11. Oh là là là. C'est 12 là, tu fais 11, 12. Steph, c'est quoi le travail ce matin là? Tu allais faire? On essaye de travailler un peu plus physiquement. Sous forme de petits jeux à travers un taureau de 3 contre 3 pour essayer de faire monter un peu, et puis là on va faire un travail de jeu de 6 contre 6 au début avec appui et puis après sans appui pour essayer de faire monter un peu le rythme, et puis on va retravailler un peu tactiquement cet après-midi et faire redescendre jusqu'au match. 4 appuis, que les appuis non, derrière les buts, on récupère les ballons. Derrière c'est que des mecs qui récupèrent les ballons. Il y en a 2 qui se mettent, il y en a 4 qui se mettent en appui sur une touche. Pensez derrière, c'est 2 touches hein. Surface de réparation défensive là, 2 touches, libre offensivement. Voilà. Allez. On fait un transfert de ce qu'on fait là-bas. Donc travail défensif, il y a 3 choses. Il y a déjà ressortir vite avec plan défensif. On a mis 2 touches dans la zone défensive, libre offensivement. C'est la création. Et puis vite être en finition aussi, parce qu'on est assez rapproché, donc frapper assez vite. Et après, c'est le transfert. Au moment où je perds le ballon, je viens défenseur. Donc je défends dans la zone auquel je suis, et puis surtout l'action entre nous qu'on doit faire. C'est-à-dire que je perds le ballon, je dois guider ce qui se passe devant moi, je dois le faire pousser, le faire descendre. Voilà, c'est ça qui est important. On travaille ça parce que les mecs ne se connaissent pas, et puis c'est le principe de jeu qui doit arriver vite. Quoi. Le plus dur souvent c'est le transfert, c'est j'ai le ballon, je le perds. Ouais. Et souvent il y a un temps de latence qui fait que bah, on perd les trucs, alors que si on réagit vite, l'adversaire n'a pas trop le temps de se mettre en œuvre et de faire les choses. D'accord. Les joueurs, tu les trouves comment les joueurs hein? Bon, ils sont bien. Bon, on voit qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas travaillé pendant les vacances. Bon, après, par rapport à la situation, on trouve ça un peu logique, quoi. Et puis là, ils sont en train de monter petit à petit. Il y a de la qualité. Ouais. Ils vont retrouver. Il n'y a pas de raison. Là, les gars. Avancez, avancez. Regarde fort.